C'est une bonne nouvelle. Le service militaire adapté a été mis à l'honneur du Grand Prix des bonnes nouvelles des territoires pour son action dans les Outre-mer. Ce prix a été créé par le Cercle des entrepreneurs du futur, qui rassemble divers organismes et grandes entreprises de notre nation. On organise un Grand Prix des bonnes nouvelles des territoires pour faire remonter les initiatives. Donc je pense que ce modèle SMA mériterait d'être développé. Il donne un exemple de bon sens. Il faut apprendre, il y a du savoir-être à apprendre. C'est se lever le matin de bonne heure, respecter des engagements vis-à-vis d'un projet et apprendre à partir de ceux qui savent, donc qui sont des tuteurs, des maîtres d'apprentissage, et apprendre aussi à écrire, à compter et aussi à conduire. Implanté dans 7 territoires, le service militaire adapté s'adresse aux jeunes des Outre-mer de 18 à 25 ans en difficulté pour rejoindre le marché de la formation et de l'emploi. Et pour cela, nous les préparons dans 10 secteurs d'activité, tant les métiers de la terre que les métiers du bâtiment, les métiers du tourisme, de la sécurité, de la logistique, d'aide à la personne par exemple. Pour un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui est crédible, qui est fiable et qui est sérieux et qui plus que tout est assidu et employable immédiatement. Le volontariat des volontaires qui viennent librement au sein du service militaire adapté, la militarité qui va régir toute la vie de ces volontaires, garçons et filles au sein du service militaire adapté, la globalité de la formation, nous agissons tant sur les compétences sociales que les compétences professionnelles, et puis enfin, tout le temps où ils passeront chez nous, ils seront chez nous, c'est bien l'employabilité qui va régir tous les actes de la vie. En 2013, plus de 5400 jeunes volontaires ont bénéficié du service militaire adapté. Avec plus de 76% d'insertion réussie, le SMA est un dispositif soutenu et reconnu par les acteurs de la formation et de l'emploi dans les Outre-mer.